Pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, afin que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ le Fils du Père, dans la communion avec le Saint-Esprit, notre Consolateur, dès à présent. Et pour des siècles, des siècles. Amen. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, et chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors, nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu en as tiré pour donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux envers toi. Mes lèvres se sont ouvertes pour exprimer. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offrirai des bêtes grasses en holocauste. Des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai des taureaux avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié à lui de ma bouche,
et ma langue a célébré sa louange. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas retiré sa bonté. Frères et sœurs en Christ, levons-nous maintenant et adorons notre Dieu en chantant au cantique. Numéro 200, Bassa. Boulou 208, sur les ailes de la foi 64. Bassa 200, Boulou 208, sur les ailes de la foi. Nous sommes venus de divers endroits et sûrement nous avons des pensées diverses. Nous te demandons, Père éternel, que toi, tu nous réunisses en une seule pensée, celle de ton service. Toute la semaine écoulée, tu as veillé sur nous. Cette nuit encore, tu étais là. Ce matin, tu nous as fait lever de nos lits. Nous te disons merci. Viens donc maintenant, Éternel, être le seul maître de ce lieu et ne tolère aucune autre voix que la tienne ici. Nous sommes des pécheurs et voulons que tu nous pardonnes nos péchés. Guide-nous dans notre adoration par ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous ferons te soit agréable. Bénis notre communauté et envoie également tes bénédictions en tout lieu ce jour, où l'on est rassemblé pour te louer et t'adorer. Sois notre Dieu et notre Père. C'est au nom de Jésus le Christ que nous t'avons prié.
Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, dans le Seigneur, et écoutons maintenant la volonté de notre Dieu. Que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, devant ces paroles-là, qui parmi nous ne se sent concerné? Dieu nous donne donc l'occasion de nous repentir et de revenir à lui. Aussi, demandons-lui humblement pardon en chantant au cantique Bassa, numéro 101, Boulou 14. Formez pas un étalage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable?
ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs dans le Seigneur, réconfortés par ces mots de grâce et de pardon de notre Seigneur, levons-nous une fois de plus pour entonner et manifester notre reconnaissance en chantant au cantique Bassa numéro 176, Boulou 14. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Maintenant, nous allons reprendre nos cantiques pour continuer notre adoration en chantant au cantique Bassa numéro 64. Boulou 224, sur les ailes de la foi 296, à quoi la gloire 99. Oh, my.